Il déclara qu'il savait bien qu'il avait fait une action violente, mais qu'il ne croyait pas avoir tort. Qu'il était dans une rude extrémité, que la nécessité de se faire justice soi-même était un cul-de-sac où l'on se trouvait engagé quelquefois. Qu'à la vérité, il ne pouvait prendre la vie du directeur sans donner la sienne propre, mais qu'il trouvait bon de donner sa vie pour une chose juste.